Bonjour à tous, voilà, on était dans un ascenseur, là, on allait vers le fin fond de la fac. Et donc, bah, on va se lancer, hein. Donc là, je crois qu'il faut ouvrir la trappe, là. On va parler à une des deux filles. Pas question de rester coincé ici. Non, t'as raison. Il faut trouver une solution pour sortir d'ici. Oh, tu vas aller ouvrir cette trappe ou quoi? Ah, il faut l'avoir ici, ici. Bon, là, il n'y a rien. Ça ne marche pas. Bien vu, Squall. Ça fait longtemps que personne n'est venu ici, alors faites attention, hein. Là, on va descendre très très bas. Peut-être pas jusqu'au centre de la Terre, mais quand même, peut-être pas une centaine de mètres non plus, mais bon, pas mal de mètres sous terre quand même. On commence à avoir l'ascenseur nous tomber sur la gueule. Alors on va dire qu'on est descendu déjà une dizaine de mètres. Un vieux réservoir, il y a sans doute des monstres qui craignent le feu ici. Si on associe des magies élémentales du feu, on n'aura rien à craindre. On va y attaquer, oui, c'est bon. Oui, enfin bon, ça je sais. Je sais, oui. D'ailleurs, j'ai pas un autre perso avec attaquer lui. Tistis n'a pas encore. Et Dinora. Je vais attaquer feu. Enfin, une attaque. L'attaque de vent. Est-ce que je peux mettre du feu? Du feu, du feu, du feu, du feu. On va laisser juste avec Squad du coup. Du coup on va lui retirer les cartes, on va lui remettre magie. L'échelle, l'échelle. Voilà, on va dire qu'on est à peu près approximativement une quinzaine de mètres depuis notre point de départ en profondeur. Ça, il faut tourner fort. On touche carré pendant 10 secondes. Je suis pas assez fort. Bon, il y a Lino qui vient m'aider. À ces deux. Peut-être le fait de le réussir du premier coup, ça va se donner des points. Et si on a besoin des trois personnages, ça nous en fait perdre. C'est une supposition. Alors là, on pourra aller encore plus profond.
Après, c'est comme si on a l'impression que j'ai la tête dans les fesses de Inoua. On arrive à une cinquantaine de mètres sous la fac. Il y a une source de magie ici, c'est le Heavy Max. Oula, c'est génial ça. À lui, vu qu'il a des magies de plus, quand même. Faut remonter. Je me demande où ça mène. Il y a un genre de salle de contrôle en haut. Ça rejoint cette pièce. Prends une décision, Scrum. On y va tous, il n'y a pas d'autre solution. Cette chaîne n'a pas l'air assez solide pour qu'on y aille tous. Ah ouais, donc c'était pas la meilleure décision à prendre, tant pis. Ok, c'est bon, j'ai compris, je vais y aller tout seul. Ah non, ça, il faut reprendre des chaînes. Tout va bien ? Ça va, ça va. Je croyais que tu allais y rester cette fois. T'as pas eu peur de mourir ? Bah, un peu quand même. Oui, mais c'est pas le moment de souffler. Les missiles sont peut-être en train déjà d'être lancés.
une sauvegarde, on va sauvegarder ici. C'est un petit peu tôt pour s'arrêter ici. On va aller jusqu'au bout de cette zone. Encore un monstre. Hein. C'est rare que je me fasse embêter dans cet endroit-là. On a deux boss qui nous attaquent. Donc c'est une espèce de limace, limace d'essence. Enfin, c'est assez bizarre comme monstre. Ils sont sensibles à l'eau. Ah non. Ah non, je voulais pas vous les soins, je voulais me lancer.
pense que celui-là est mort. Ah, j'ai tué les deux. On doit se dépêcher, ils ne vont pas tarder à arriver maintenant. J'ai dépensé de magie vie avec l'Inoa, donc on va voir si je peux pas en récupérer une sur un perso qui en a pas 100. Proche de l'île, c'est bien dangereux. On dirait qu'on est arrivé. Que doit-on faire ici ? Au hasard. Moi, oh, pourrais je veux savoir même si n'en sais rien. Tiens, un truc au milieu, voilà. C'est d'appuyer dessus. C'est ce que tu fais, Squall? J'en sais rien, vous avez une solution, vous? Hein? Ouais, le mécanisme commence à se lancer. En l'air. On voit la fête qui est en train de se métamorphoser un peu. Ils arrivent, attention les missiles. On a eu très chaud au cul parce que à quelques secondes près, la fac se faisait exploser par les missiles. Bouge.
Je vois, alors c'était ça le secret. Et oui, la fac elle vole maintenant. Noël est un petit peu perturbé. Non, c'est impossible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Incroyable. Comment réagissent les élèves? Allez, Squall, on y va. Allons voir. Et on descend. Qui a l'air d'être assez joyeux là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis planqué pendant un moment et maintenant c'est le chaos. J'ai vraiment la trouille, pas toi. Allez, courage. Ah, vraiment, il a l'âme d'un vrai chef. Hein. Bonjour, instructeur. Ah bon, vous n'êtes plus. Vous inquiétez pas, je vous soutiendrai jusqu'au bout. C'est de la folie. Bon, on se calme, on respire un coup, voilà. Je crois qu'il faut parler un petit peu avec tout le monde, là. Mon dos, qu'est-ce que j'ai mal, ça me tue. Hein. Bon sang, mais ce qu'on a fait, on est resté assis là, à rien faire alors que ça nous pendait au nez. Elle est toute excitée, elle. Tu vas te calmer? J'ai envie de te parler. Hé, tu as mis le nez dehors, ça rue. Ahurissant, on va se reprendre dans le hall. C'est incroyable, va vérifier. Il faut aller par ici. Elle me rappelle un petit peu dans Banana Fantasy, c'est la scène où justement Linoa, ou plutôt Alinéa, se met à brailler. Oh mon dieu, il y a des oiseaux. Elle est toute émerveillée. Oh les oiseaux. C'est le petit coin romantique ici. On retourne à l'intérieur parce qu'on n'a pas. On n'a pas que ça à faire, regarder les piafs. Ah, il y a un petit bug. Squall! Ici le proviseur, Squall, reviens sur la plateforme. Squall, les commandes ne répondent plus, qu'est-ce que je dois faire? On va s'écraser sur Palom City, il faut faire quelque chose. Mais tu crois que j'en sais plus, hein. C'est horrible, on doit faire quelque chose. Faut trouver une solution et vite. Squall, on fait quoi? Putain, le gros incompétent, quoi. Enfin, moi j'en sais rien. Et... aucune idée, oui. Squall, remue-toi. Squall. Bon, on se calme. Ouais, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, on tape n'importe comment, voilà, ouais, c'est... seule chose logique à faire. Quoi encore? Ça y est, on tourne. Ça, ils ont eu chaud, ils ont fait se faire écraser par une fac immense. Squall, tu as réussi. C'est pas possible, on va tous couler. Accrochez-vous à quelque chose. Félicitations à tous, on a échappé au pire. Mais où on va là? Nous avons dérivé pendant un moment jusqu'à
Faut qu'on trouve comment manœuvrer notre navire. Nous allons pouvoir nous reposer un peu. Profitons-en pour fixer notre stratégie. Mais où je vais dormir, moi, maintenant? Oui. Alors, bah, maintenant, on note fait qu'elle elle flotte dans les deux sens du terme. Enfin, elle peut flotter un peu comme un hydroglisseur, notamment sur la terre et dans la mer, bah, elle se comporte un peu comme un navire. Combien de tonnes sommes-nous en route? Plus grand chose à faire maintenant, on s'est tous occupés des monstres dans l'université. Oh, je vais aller faire mon rapport à Sid. J'ai plein de questions à lui poser. Et certainement débordé par la remise en ordre de la fac. Mais tous déboussolés. Pourquoi suis-je aussi sensible? Je déteste tourner en rond, comme ça toutes mes pensées restent en vrac. J'espère que Selfie et les autres vont bien. Fallait-il les laisser partir, qu'en pensent elle et Irvine? Retresse, tout est de sa faute. Si j'ai des missiles contre nous, Selfie va-t-il se sortir de ses griffes? Squad se pose vraiment beaucoup de questions. Qui nous surprend au réveil. Hey! Tu es si mignon quand tu dors comme un bébé. Allez, Squall, lève-toi, on y va. On va où? Fais-moi visiter la BGU. Est-ce que c'est un ordre? Non, je suis sûr que tu me montres les lieux. Je me sentirai plus à l'aise comme ça, s'il te plaît. Très bien. Alors, on va sauvegarder ici. On va arrêter l'épisode là. Et on va se retrouver dans l'épisode suivant pour la suite de notre fac flottante. Allez, salut tout le monde!